Hey, salut tout le monde, c'est Mister Diamant Minecraft. Et aujourd'hui, donc après une petite absence, hein, comme je vous l'ai dit, j'étais en c'était pas trop en vacances, c'était plutôt une sortie, enfin un stage pour ma passion pour le golf. Ouais, je suis parti en Espagne pendant une semaine, donc là c'est reparti. Je vais me remettre à. Oh, par contre ça va vite fait. Hop là. Donc ce sera un petit tuto. Sur un ascenseur. Ouais, voilà. Donc c'est une première, c'est un premier mode, hein, j'ai envie de dire. C'est pas la partie la plus compliquée. Pour l'instant, on va commencer assez simple. Et puis peut-être dans d'autres épisodes, on verra un peu plus compliqué. Donc là, je vais vous montrer vite fait comment ça marche. Et après, on fera le tuto. Alors, hop, vous entrez, vous passez par cette plaque. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez tomber et comme un ascenseur, vous descendez. Et donc après, vous avez votre salle où, je sais pas moi, vous pouvez commencer à construire à l'intérieur. Donc ce qui est pas mal, c'est que la plaque là, elle arrête lourd. Donc là, j'ai fait un petit truc vite fait pour remonter, pour vous montrer comment ça marche. Alors, le système, il est vraiment pas compliqué. Il y a encore... voilà. Il y a encore des systèmes de sauvegarde. Alors, le système, c'est ça. Voilà. Donc, je vais vous l'expliquer. Donc, ici, c'est la plaque de pression qui va actionner la mémoire. Donc, qui va inverser la mémoire. Et donc, pendant un laps de temps, va désactionner les pistons du bas et les pistons du haut. Qui, eux, font couler l'eau pour pas qu'on se casse la gueule et qu'on meure. Et là, il y a le mini, enfin ouais, le micro reset, en gros, à retardement, qui va venir réactionner tout ça. Donc là, là-haut, c'est le système des pistons. Donc là, il y a les pistons ici, qui vont venir enlever l'eau. Voilà. Puis de l'autre côté, hein, un truc tout con, bon, ça, je pense que vous savez faire, c'est un bouton qui actionne une porte. Hein. Voilà. On va refaire ça. Oh, vous avez vu quelle belle lune. Donc là, on va commencer. Alors, pour votre inventaire, vous avez besoin de n'importe quel bloc, d'un bouton, de la redstone, d'une plaque de pression, de répéteur. Et pour l'instant, c'est tout. Voilà. Donc juste pour vous dire que là, en ce moment, chez moi, j'ai Absa Kiwi, qui est d'ailleurs juste à côté de moi, là, en train de faire des conneries, comme d'habitude. Bon. Vous faites ça. Ouais, allez, c'est fini, votre ascenseur marche. Donc là, vous allez faire le système de porte. Donc votre système de porte. Ah oui, pardon, des torches de redstone, il vous faut. Aussi. Hop, donc là vous faites... ah oui, et des pistons. Je suis vraiment désolé, là, je sais pas trop ce qui se passe. Voilà. Alors, donc là vous mettez, vous faites votre porte normalus. Donc là elle va être ouverte. Je vais pas reboucher, hein. Limite, je peux vous faire ça avec de la laine. Ouais. Oui, ce con là, encore lui. Je vais vous le faire avec de la laine. Donc je pense que tous les systèmes de redstone, pour le bouton, on va le faire en vert. Donc là, il n'y a rien de plus simple. Donc vous faites tout simplement un petit système là, avec deux répéteurs à 3 tics. Voilà. Donc ça va juste nous servir à ouvrir la porte. Alors, une fois que c'est fait, il faut vous imaginer l'espace. Donc là, c'est la porte. Et une fois que la porte est ouverte, on va avoir juste là notre plaque de pression. Et ici, on va avoir tu restes là, toi. Voilà, ici, on va avoir on va faire le système pour les pistons du bas. Donc à chaque fois qu'on va passer sur cette plaque, ça va actionner une mémoire. Alors la mémoire, il faut que vous ayez la place de placer deux répéteurs à 3 tics. Voilà. Et donc, une fois que ça c'est fait, hop, vous avez votre mémoire qui est ici. Alors la mémoire, c'est ça. Hein, si vous ne vous en rappelez plus,
Ça fait ça, voilà. Hop. Voilà. Ouais. Alors, hop. Et donc là, bah, vous connectez la plaque de pression à ça, voilà. Alors, ça va juste servir à inverser la mémoire. Donc, vite fait, juste après, vous devez faire le système de reset, donc un micro-truc de rien du tout, la gnognotte. Oh! Bon, voilà, vous savez qui c'est qui a fait ça. Donc là, bah, vous faites en sorte que ça dure un petit laps de temps. Donc, je sais pas, moi je fais ça au pifomètre à chaque fois. Voilà. Hop. Et puis là, on va dire. Et là, on va dire que voilà. Donc là, en gros, quand on va passer dessus, ça va faire ça. Vous voyez, ça va allumer la mémoire là-bas. Mais ça va la rallumer juste après. Donc, juste après, il faut que vous vous imaginiez la salle, encore une fois, hein. Désolé, il faut beaucoup imaginer. Donc là, on a la porte. On a la porte ici. Donc, on va faire. Je vais quand même vous montrer un peu parce que sinon vous allez être paumé. Là, voilà. Donc, la salle, elle va être comme. Enfin, la salle. Vous m'avez compris, hein. Donc, je compte faire avec plusieurs de mes amis, incluant Absalom, Absakiwi, un Fire, enfin, une sorte de Fire Kingdom, sauf que ce sera, on va l'appeler Fels Kingdom. Fels Kingdom, vas-y, tu peux le dire, hein. Fail Kingdom. Voilà, c'est ça. Non, ça, bouge le chat, s'il te plaît. Alors, donc ici c'est votre salle et vous allez voir que on peut placer. Attends, mais on n'est pas au milieu là. Si? Oui, si, on est au milieu. Que là, on peut placer un piston là parce que ça va pas l'activer. Ça va. Bah, en fait, il faut que la redstone soit au-dessus. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, je suis en train de me dire. Est-ce que c'est bon? Non. Ah non, il faut qu'il soit plus loin, excusez-moi. Non, 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 non. Il faut qu'il soit une case plus loin. Voilà. Il faut qu'il soit là, les pistons. Donc normalement, il faut que quand ça pousse. Oui, bon, c'est bon, hein, quand ça pousse, ok. Donc là, vous imaginez, donc on va placer directement les cubes, hein, comme ça on va pas se faire chaise. Voilà, donc là, quand ça va être poussé, il en manque un là, voilà. Ouais, c'est un peu dur à imaginer la salle quand c'est pas complètement construit, mais quand c'est construit, on y voit un peu plus clair. Hein. Donc là, bah, il vous suit. Donc là, ouais, de haut, ça donne ça à peu près. Enfin, vous imaginez la salle. Faut que ce soit un petit peu symétrique quand même. Hein. C'est un peu, bah, c'est mieux quoi. Et suite à ça, vous pouvez connecter vos pistons. Et vos pistons, vous les actionnez comme ça. Enfin, vous faites un petit système tout con là, comme ça. Voilà, vous faites ça pour que ça aille jusqu'au bout. Donc là, il y aura toujours un bloc qui va pas s'ouvrir. Donc le bloc qui va pas s'ouvrir, vous le mettez au milieu comme ça. Quand vous appuyez sur la plaque, donc vous allez voir, hop, vous mettez sur la plaque. Qu'est-ce que j'ai cassé? Ah bah oui, t'es intelligent toi. Si tu casses ça va plus marcher, pauvre con. Donc là, vous allez voir que quand on va marcher là-dessus, on se met au milieu. Expliquez-moi. Alors attendez, on va voir tout de suite ce qui ne va pas. Quand on marche là-dessus. D'accord. Ok. Donc là,
il faudrait qu'il y ait quelque chose d'autre qui ramène ça. Bah au pire, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que vu qu'il y aura la salle, vous le verrez pas vu qu'il y aura l'eau qui coulera en fait. Donc c'est pas très très grave ça. Donc vous pouvez replacer. Enfin voilà. Ça ne met pas en péril votre système parce que quand c'est là, vous voyez, oui voilà, en fait il y a un bug ici. Voilà, donc là normalement. Voilà, il va en rester deux là, ici. Voilà, et après ça se replace correctement. Donc ça c'est fait. Et maintenant on va passer à l'étage supérieur. Alors pour faire l'étage supérieur, on va faire ça comment? On va faire ça comme ça. Je vais les placer mais je les enlèverai après. Hein. C'est pas très très joli. Hop. Yep. Donc là, ouais, il y a le mur là. Hein. Donc ce mur-là, on va le laisser. Wally, wallou. Ouais, bah vous faites un truc de haut de 2. Hein. Enfin, voilà quoi. Pas besoin d'explication pour faire un truc de 2. Hein. Et puis ensuite, vous faites la même chose, mais en l'air. Sauf que bah, vous faites là exactement la même chose. Sauf que c'est ça qui soutiendra l'eau en fait. Enfin, je pense que c'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Voilà quoi. Donc ce qui est bien c'est que vous pouvez pas la rater la plaque quoi. Une fois que vous êtes rentré, bah vous êtes baisé quoi, vous êtes obligé d'y aller. Hein. Une fois en gros, si vous connaissez pas le truc, vous pouvez aussi vous en servir comme piège. Parce que quand vous. Bah quoi que non, parce que. Non. Non non non. Parce que ce bloc là il tombe pas. Donc ça c'est uniquement un ascenseur, quoi. Après peut-être que le piège, il y a des petites variantes, genre ce bloc là qui va être poussé vers le bas ou vers le haut, ça a des petites variantes. Donc arrêtons le blabla. Donc là c'est pareil, n'importe quel piston, hein, c'est juste pour l'eau. Mais non, mais oh là là, mais en plus je commence à faire des choses inutiles. Vous n'avez pas besoin de faire de large comme ça, hein, c'est. Vous pouvez juste les placer là vu que c'est quand les pistons vont être poussés que l'eau. Va arriver. Alors là, si je comprends bien, si je comprends bien, si je comprends bien, ouais, c'est ça. Voilà. 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 Donc là, il y aura l'eau en dessous, au-dessus de chaque piston. Donc on va placer l'eau. Donc là, ça, on va l'enlever. Ça va faire bizarre dans des pistons à l'air. Mais c'est pas grave. Ah oh, bah si, de toute façon, je vais être obligé de les remettre. C'est pas grave. Pour mettre la redstone. Et maintenant, on va placer l'eau, la voiture. Ouais, mon super accent anglais. Hein? Hein? T'es d'accord? Hein? J'ai un bon accent anglais. Hein? voilà. Donc l'eau, faut qu'on actionne. Ouais, bah on va les connecter avant. On va les connecter. Hop, hop. Bon, tant pis, j'avais dit que j'allais mettre de la laine, mais c'est pas grave, en fait, ça me saoule un peu. Rien à foutre! Alors, bah là, vous faites un truc de merde, là, enfin, un petit escalier. Voilà, le truc... voilà. Merde, ça sert à rien, ça. Donc, vous allez être obligé de mettre sans doute... Oh putain. Je galère! Ta gueule. Hop, 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 pouf, 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 pouf! Voilà. Alors, vous pouvez mettre un répéteur ici, pourquoi pas. Et vous faites la même... Ah bah comme par hasard il va vous manquer un, ça serait trop beau pour être vrai, hein, pourquoi pas. Voilà, ce con là qui fait chier. Donc bah vous faites la même chose mais un peu plus loin quoi. Voilà. Et après vous faites... Tadam! Yep là! Et ça marche toujours pas, il faut juste rajouter un répéteur. Voilà. Pouf! Merde, je l'ai pas posé, quel con. Voilà! Donc là normalement on n'a plus de problème.
Une fois que ça c'est fait, bah vous avez juste à placer un bloc là parce que bah ah mais non. Oh fucking. Fucking. Faut pas mettre de piston collant en fait. Je suis trop con. Ouais, en fait vous remplacez juste bah des pistons pas collants. Des pistons. Mais pas collants. Voilà. Juste ces trois là. Mais les autres on en a rien à foutre. Voilà, et parce que il faut que celui-là il reste là. Et une fois que ça c'est fait, vous allez prendre de la water. Oh, j'avais jamais vu que le bacon il était comme ça. Ah ouais, c'est mon texture pack qui me fait chier des fois. Ah oui, bah oui, je vois. Ah oui. Donc vous mettez bien l'eau, sans courant. Voilà, il fait le con comme d'hab. Et là, vous allez voir. On va essayer de rentrer sans foutre la merde. Voilà. Donc quand c'est comme ça, c'est bizarre, hein, mais après vous rebouchez. Hein, vous avez compris. Voilà. Et après, bah vous creusez. Merde! Non! Ah! Bon, tant pis. Oh, heureusement que j'ai fait un trou. Oh, c'est parfait ça. J'ai pété quoi? Piston. Pouf! Voilà. Plus de problème. Pouf! Hop, 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 hop. Bah, vous faites la même forme que l'intérieur. Sauf que voilà, vous le faites en profondeur. Et une fois que ça c'est fait, vous rebouchez. Enfin, vous remontez de. Je sais pas comment vous remontez, mais vous trouvez un moyen de remonter. Voilà, fuck. Et une fois que ça c'est fait, et bah, vous avez fini. Voilà, donc bon, là c'est absolument horrible hein, comme ça, hein. C'est plus beau quand c'est fait comme ça. Et donc là, on fait tulut, ascenseur. Donc là, il arrive, vous entrez, vous mettez au milieu, ça s'ouvre, l'eau descend, et voilà, vous êtes sauvé. Et je suis enfermé. Ah oui, comme par hasard, il y a dû avoir une couille. Hein, bah oui, il y a une couille. Hein, y... Pourquoi ce bloc-là ne s'est pas ramené? Allez savoir pourquoi, c'est le seul qui est pas actionné. What the fuck? Voilà, on va en mettre un répéteur là. Et voilà, on est sauvé. Il y a de l'eau partout, mais c'est pas grave. On a juste à replacer ça. Ouais, donc j'ai complètement oublié que c'était pas actionné. Mais sinon, vous avez compris, hein? Merde. Ta gueule. Je vous l'ai dit, hein, il fait tout le temps le con. C'est pas sa faute, hein, c'est plus fort que lui. Donc on va réessayer en espérant que ça marche. Allô, ascenseur, il arrive. Vous... Ah oui, mais déjà, rien que là, il y a un problème. Mais c'est que ça a pété des blocs. Donc là, vous replacez. Ah, mais oui, ça a pété. Mais. Et... Pouf! Voilà. Donc là, il n'y a plus de problème. Donc vous arrivez là. Vous mettez au milieu et là. Ascenseur. Voilà. Il y a encore une couille là? Eh oui, eh oui. Ah mais oui, forcément il y a une couille parce que forcément il y a une couille parce qu'il n'y a pas les murs. Mais vous allez voir que dès qu'il y aura des murs, enfin vous allez voir ça tout de suite, hein. Vous allez voir que si on met les murs, eh ben il n'y a plus une couille. Qu'est-ce que j'ai oublié de refermer? Qu'est-ce que j'ai... Ah bah ça a encore pété là-bas. Bah oui, pourquoi pas. Ah, I'm sorry. Oh putain. Arrête ça, toi, putain. Ah là là. Voilà. Et voilà. Et donc là, quand c'est comme ça, vous allez voir que ça fait ça. L'eau, elle vient. Ça se referme. Mais vu qu'il y a la plaque. Ouais, bon, là, ça va se refaire éternellement. Mais bon, c'est pas grave. Qu'il n'y a plus de couilles! Voilà! Donc, et ben les amis, il est temps de nous quitter. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Putain, arrête ça, toi! J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir par un petit like. Ça me fera toujours plaisir. Et sinon, allez faire un petit tour sur ma chaîne pour vous abonner. Ça me fera encore plus plaisir. Et bah, je vous dis ciao ciao!